Salut à tous, c'est Tonkin, on se retrouve à nouveau dans The Witcher 3 Wild Hunt. On va aller chercher petit bâtard. Il était censé être mort, mais apparemment ça va. Quoi? Je viens voir le bâtard. Il attend de la visite, alors foutez-moi le camp, bande de... grosse merde. On pourrait peut-être s'arranger, non? Oui, pour sûr. S'arranger, oui. Montez. Le patron attend à l'étage. Voilà, pas la peine de tous les buter. Bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne va pas tarder à le savoir. On aurait pu se frayer un chemin, un coup d'épée, mais en vrai... Tant rester un peu discret. Elle a quand même mis une capuche. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui voit. Vous avez enfin trouvé votre petite protégée, à ce que je vois. Vous en avez mis du temps. Il a l'air d'être plutôt en forme. Ah, vous croyez vraiment m'avoir tué, Gérald? Mais je suis un homme plein de ressources. Et toi, petite sorcière, je te conseille de la fermer. Ça suffit. Je vais finir ce que t'as commencé. Arrête, arrête! C'est moi, Doudou! Doudou Biberwelt! Vous m'avez pas reconnu? Doudou? Ciri, attends. Après le vol, une fois les coffres de Dijkstra vidés, tu t'es volatilisé. Comment je t'ai retrouvé? Réponds, vite. Dans la cour des bouchers, la pièce de Priscilla. Tu m'as traîné sur scène. Rengaine ton épée, Ciri. C'est bien lui. Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Il fallait y penser avant de prendre la place du bâtard. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Doudou? Quand on s'est enfui, j'ai paniqué. Je savais qu'il finirait par me retrouver tôt ou tard. J'ai pris ma décision sans réfléchir. Personne d'autre que nous ne savait qu'il était mort. Alors je saisis ma chance. Personne ne pleura le petit bâtard. De toute sa misérable existence, il n'avait aidé personne. Il ne fit son entrée dans la bonne société qu'une fois mort. Il paraît que tout le monde a droit à une seconde chance. Je souscris. D'une certaine manière, le bâtard a eu la sienne. Grâce à une créature. Un Doppler nommé Doudou. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, Doudou. J'en suis le premier surpris. Oh, à propos, je suis vraiment soulagé de te savoir saine et sauve, Ciri. Et moi, je suis soulagé de ne pas t'avoir tranché la gorge. Oui, ça aurait été fâcheux, oui. Te voilà devenu un véritable homme d'affaires. Doudou a toujours eu un don pour les chiffres. Gérer des bordels et des casinos, c'est dans ses cordes. Je vous en prie, madame. Je suis un homme respectable. 2 semaines après la mort de Willy, j'ai annoncé que j'avais vu la lumière du feu éternel. J'ai vendu toutes ses activités illégales pour devenir un honnête commerçant. Les hommes du bâtard n'ont pas protesté? Non. Grâce à mes contacts dans les guildes, mes affaires sont florissantes. Les bénéfices ont doublé. Je peux t'assurer que les hommes de Willy ne trouvent rien à y redire du moment que leurs bourses sont pleines. Quelqu'un pourrait découvrir la supercherie. Les hommes de Willy sont trop bêtes. Et ses collègues ne valent guère mieux. Même toi, tu n'y as vu que du feu. Oui, et ça aurait pu mal finir pour toi. J'avoue, parfois je me laisse prendre au jeu. Mais, en général, je suis prudent. On doit partir. Oui, nous devons encore passer à l'esturgeon doré. C'était un plaisir de vous revoir, tous les deux. L'esturgeon doré. Toi aussi. Au revoir, Doudou. L'esturgeon doré. Qu'est-ce qu'on va faire à l'esturgeon? Oui. Voir une fille qui m'a aidé. Ah oui? Yes. C'est une amie de Jaskier. Elle s'appelle Béa. Elle travaille comme serveuse à l'esturgeon doré. C'est elle qui m'a aidé à trouver Jaskier.
Je veux la remercier. Elle a pris de gros risques pour moi. De gros risques? Comment ça? La garde du temple était à mes trousses. Si on l'avait vue avec moi, elle risquait le fouet. Pire. Ouais, plutôt pire, je pense. Tu as un don pour t'attirer des ennuis. Je tiens ça de toi. Genre. Ça serait sympa de faire tomber les copains, Siri. Et ton père adoptif. Qui plus est. Donc l'esturgeon doré. Une fois, j'ai visité une ville qui ressemblait beaucoup à Novigrad. Mais ses habitants étaient bien plus grands et basanés. C'était en Zirikania? Non. Dans un autre monde. Quel effet ça fait de passer d'un monde à l'autre? C'est comme traverser un portail ou c'est différent? C'est un peu différent. Au début, c'était difficile. J'avais du mal à contrôler mon pouvoir. Je devais énormément me concentrer, tout en espérant ne pas atterrir dans le cratère d'un volcan. L'entraînement que m'a fait suivre Avalar m'a été très utile. Maintenant, il me suffit de penser à l'endroit que je veux rejoindre, de fermer les yeux, et le tour est joué. Chance, t'aurais dû la prendre. J'ai que faire de ce que vous me donnez. Tu vas le regretter, sale truie. Bonjour. Vous avez une drôle de façon de parler aux dames. Vous mêlez pas de ça. C'est pas vos affaires. Je crois bien que si. T'es qu'un sale mutant. Oui, c'est un mutant. Et très dangereux en plus. C'est le boucher de Blanchefleur. Et il a fait quoi? Il a tué tous les arbres. Fais pas le con, Yugen. Il a massacré la moitié du village et traîné les chevins et sa femme derrière son cheval jusqu'à Novigrad. Quoi? On fera mieux de se tirer d'ici. Vous devriez écouter votre ami. Oh, désolé. Mais c'est jamais arrivé. Merci. Ils étaient plus menaçants que d'habitude. C'est parce que tu leur tiens tête. Quoi? J'ai refusé des non-humains pour faire plaisir à ces salauds? Pas question. Je suis contente de te revoir, Béa. Moi aussi, Siri. Et qui est ton charmant compagnon? Geralt de Rive. Geralt? Le Geralt? Enchanté, Geralt. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment. Bon, bien, j'espère. Oh, oui. Elle m'a raconté comment vous l'avez sortie du pétrin des centaines de fois, et comment vous arrivez toujours à la faire rire. Elle m'a aussi dit que vous aimez les femmes. Béa, tu me dis si je te gêne? Très bien, j'arrête. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui vous amène? Je voulais te remercier, pour ton aide. Oh, arrête, tu veux... N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Non, sans doute pas. Et certainement pas avec autant de courage. Merci. Je t'ai apporté un petit souvenir. Oh, trois fois rien. Oh, mais c'est magnifique. Merci, Siri. Vous restez manger. Le patron a tué un porcelet ce matin. Merci, mais je dois faire un tour au faubourg. Ah, tu vas voir Valdo, hein? Allez, file alors. Tu trouveras de quoi manger là-bas, pas de doute. Au revoir, Siri. Et vous, sorceleur, prenez bien soin d'elle. Comptez sur moi, au revoir. Ils ont été malins. Toutes les animations qu'ils n'ont pas réussi à faire, ils les font hors champ. Dans l'an... Non, deux secondes les dialogues. On la voit passer ses mains derrière sa tête pour attraper sa capuche. Le plan repasse sur Béa pour qu'elle continue sa phrase. Et quand le plan revient sur Siri, elle a sa capuche de mise. Parce que c'est chiant d'animer, machin. Comme Krar donne l'épée à Geralt, on le voit tendre les mains vers l'épée. Ensuite, il y a un plan sur Krar, plus ou moins cadré au niveau des épaules. Et on voit juste donner un... faire le... un... On voit son bras avancer vers Geralt, on voit pas ce qu'il tient. Et Geralt, il prend le truc. On voit pas donner l'épée, vraiment. Du coup, c'est bien, mais ouais, tu te dis que...
au final, ça, on remarque qu'il y a des bouts de ficelle. On remarque les bouts de ficelle, on va dire. C'est pas très grave. Ami Béa. Oui. Non, rien. T'es un joli brin de fille. Gérald, tu es... Qu'est-ce qu'on va faire dans les faubourgs? Voir une troupe de cirques itinérants, des non-humains. La dernière fois que je suis venue ici, je voulais prendre contact avec Triss. Ça n'a pas été simple. J'ai vite dépensé tout ce que le baron m'avait donné. Finalement, j'ai pas pu rencontrer Triss à cause de la garde du temple. Après ça, j'ai été activement recherchée. Et Triss, elle n'a pas essayé de te retrouver? Comment aurait-elle pu? Elle ignorait tout. Elle pensait rencontrer une alchimiste cherchant à fuir Novigrad. Je voulais pas mettre sa vie en danger. J'étais traquée sans le moindre sou en poche. Et puis, j'ai rencontré Valdo. Valdo et sa troupe m'ont bien aidée. Ils m'ont présenté Béa et grâce à elle, j'ai pu retrouver Jeski. Tu connais la suite de l'histoire? Pardon. Je réfléchissais. Et je me dis que, ouais, j'aimerais vraiment savoir si... Enfin... Qu'est-ce qui leur a valu de cruncher autant? Parce que ça a été découvert que CD Projekt Red a crunché comme ils ont fait cruncher les employés comme des porcs hein, pour The Witcher 3. Et j'aimerais savoir ce qu'ils ont, enfin ce qui les a forcés à faire ça en fait, parce que le jeu est beau et tout, mais quels sont les points qui les ont obligés à faire ce genre de choses quoi? Parce que c'est de la merde le crunch. Hein. Est-ce que c'est l'aspect graphique? Est-ce que c'est les bugs? Est-ce que, enfin... Où est-il, ce fameux ami? Le voilà. Ciri, petite diablesse, où étais-tu passée? Approche, ma belle. Et qui est ce vieillard? Ton grand-père? Égard, tu es incorrigible. Je te présente Gérald de Rive. Ah, bienvenue l'ami. Ciri nous a beaucoup parlé de vous. Ah, encore? Bonjour. Merci d'avoir aidé Ciri. Oh, mais nous n'avons pas eu le choix. Qui pourrait lui refuser quelque chose? Ça fait sacrément plaisir de te voir. Tu as de la chance de nous trouver ici. On lève le camp demain matin. Vous partez? Les non-humains ne sont plus les bienvenus dans cette ville. Il est temps pour nous de changer d'air. Je comprends. Le problème, c'est que nos deux chevaux sont morts. Et les deux autres ont connu des jours meilleurs. Oui, mais je ne m'en fais pas, tout va s'arranger. Qui sait ce qui peut arriver d'ici à demain? C'est ça, continue à ne pas t'en faire. Moi, je vais essayer d'échanger nos canassons contre un cheval en bonne santé. Il ne faudrait pas que ce pauvre Valdo s'inquiète pour demain. On peut vous aider, peut-être? Non, non, on se débrouillera. On se débrouille toujours, pas vrai, si? Quel bon vent t'amène? Je suis venue m'excuser. J'ai disparu sans prévenir. Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. Tiens, c'est pour vous. Tout ce que vous m'avez prêté... et un petit extra. Oh, Ciri... je peux pas accepter. Tu n'as pas le choix, tu sais. J'ai trouvé. On va en faire l'objet d'un pari. Une petite course? Avec plaisir. Dans ce cas, je te défie. Et vous, Gérald, qu'en dites-vous? Avec plaisir. Ah, voilà un homme comme je les aime. Bon, après une course sous la pluie, honnêtement, j'aurais pu m'en passer. C'est pour être malade demain. J'arrive. J'arrive. Oh, ça va, c'est Ablette. C'est parti. Hein. J'étais plus rapide autrefois. Je te laisse un peu d'avance. Ah! Pardon. Ah, mon cheval, il fait la course avec les dragons. Attention, tu vas tomber. Tu commences à fatiguer? Pas du tout. Je prends le temps d'admirer le paysage. Ouais, calmez-vous. Hein. Là, ou pas.
image floue. Le jeu est bien fait. Je me défends encore pas mal. Je t'ai laissé gagner. C'était une belle course. Bon, ça mérite une petite fête. Passez donc la soirée avec nous. Nous allons percer un fût de bière de Kedwen. Tout le monde va se rassembler autour du feu. La nuit sera belle. Une petite bière, on dit pas non. Tu sais, ça me regarde peut-être pas, mais... Je suis contente que Yennefer et toi soyez enfin ensemble. Moi aussi. Vous avez pris votre temps. Je crois qu'il nous fallait du temps pour nous faire à l'idée. Alors, ça t'a fait quoi quand la magie du vœu s'est dissipée? Qu'as-tu ressenti? Eh bien, on se trouvait sur une cime, rien que tous les deux. Je l'ai regardé et j'ai senti que je me trouvais exactement où il fallait. Enfin. Un peu de vin? Merci. Je suis contente d'être restée. Moi aussi. Je crois qu'ils t'aiment bien. Moi aussi, je les aime. Oh, si je pouvais me joindre à eux, boire, faire la course et voyager de ville en ville, sans jamais penser à l'avenir. L'avenir te fait peur? Oui. Tout ce qui nous attend. Vaincre la chasse ne sera pas facile, c'est vrai. Mais avec la loge et Avalar à nos côtés, je suis confiant. J'ai bien peur que ce ne soit que le début. Pour moi, en tout cas. Que veux-tu dire? Tu avais promis. Et tu y as cru? Parfois, j'aimerais être comme eux. Comment ça? Normal. Ah, tu peux choisir ton destin. Ta vie n'appartient qu'à toi. Tu peux forger ta propre destinée. Tu sais que ce n'est pas vrai, Geralt. Tout ça à cause du sang ancien. C'est une vraie malédiction. Sans lui, je n'aurais pas tous ses pouvoirs. Mais je pourrais mener une vie tranquille. Une fois que nous aurons vaincu Eredin, tu seras libre. Vraiment? Eredin n'est pas le seul à vouloir se servir de moi, tu sais. La loge des magiciennes, mon père, Yennefer... La liste est longue. Sans oublier Avalar. Avalar est différent des autres. Il veut avant tout éviter que mon don n'échappe à mon contrôle. C'est pour ça qu'il veille sur moi et qu'il m'enseigne son savoir. Si tu le dis... Quoi? Tu en doutes? Un jour, tôt ou tard, Avalar te demandera une faveur. Peut-être. Mais certainement pas avant très très longtemps. Et de toute manière, je suis sûre qu'il me laissera le choix. Je pourrais refuser si je veux. J'espère que tu as raison. C'est Pablo. Un jour, j'apprendrai à jongler comme lui. Quel talent. Ah, vous êtes là. Alors, vous vous amusez bien? Alors, vous avez vu le marchand? Vous avez réussi à lui acheter des chevaux? Oh, ne m'en parlez pas. Il a refusé mon offre d'échange et quand j'ai proposé d'acheter une bête, il m'en a demandé un bras. Pourtant, nous avons besoin de chevaux. Il va falloir trouver un autre moyen. Oh oh, ça sent les ennuis. J'étais sûr que ça te plairait. L'idée, c'est de nous glisser dans l'écurie du marchand. Il possède plus de 30 bêtes, alors quelques têtes de plus ou de moins. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Je peux les acheter pour vous. Il doit bien y avoir un autre moyen. Écoutez, j'ai un peu d'argent de côté.
Je pourrais vous faire une avance. Nous ne pourrions jamais vous rembourser une telle somme. Ce n'est pas grave. C'est très généreux, mais ça ne change rien à la situation. Le problème, c'est que le marchand ne voulait pas faire affaire avec nous. Il m'a gentiment expliqué qu'il ne traitait pas avec la vermine. S'il refuse de vendre, nous n'avons pas d'autre choix que de le voler. Très bien. S'ils ont besoin de notre aide. Formidable. Vous me surprenez, sorceleur. Comment ça? Je ne pensais pas que vous auriez accepté. Je vous retrouve devant l'écurie. Bah, je vais quand même pas vous laisser dans la merde. Et si le vendeur, il aime pas les elfes et les non-humains, il y a de fortes chances pour qu'il aime pas non plus les mutants. Gare, fais le guet pendant que j'entre avec Siri. Entendu. Attendez-moi ici. Je vais entrer et ouvrir la porte. D'accord. Mais faites moins de bruit. Ok. Doudoudoum. Chercher ailleurs. Il l'a sur lui, genre. Traître mutant. Bonjour. Calmez-vous. La clé était sur la table, évidemment. Ça va, j'avais un masque. Mais fermez-la, les chevaux. Ah, faut les calmer. Ah, si on lit pas les trucs... Après, même avec un masque, hein, deux épées et les cheveux blancs, c'est quand même mal barré pour qu'on me reconnaisse pas. T'as vu les deux crétins qui voulaient nous poursuivre? Ils se sont bien emmêlés les pinceaux. Merci, Geralt. C'était parfait. Oui, ça me change de la chasse aux monstres. Merci pour tout, Ciri. Ça m'a fait plaisir de tous vous revoir. Faites bien attention à vous, d'accord? Ne nous oublie pas. Au revoir. Je dois faire mes adieux à Valdo. Très bien. J'ai des choses à faire en ville. Je te retrouve chez Jaskier. À plus tard, Geralt. Ok, donc Yennefer, Mafalda, Margarita, c'est une mage. Margarita, ça ne dit rien.
Ouais, bah t'as qu'à traverser la rue, lol. Comment ça? Ah, elle doit être contente, Yann, de chez les prostituées. Que de la pisse d'âne ici. Il me l'hérite. C'était ton idée ou celle de Siri? Celle de Siri. C'est bien ce que je pensais. Tu as bien fait de l'accompagner. Je pensais que tu serais en colère. En colère? Pourquoi? Parce que tu as soutenu Siri dans sa décision? Parce que tu as combattu à ses côtés et gagné? Et si j'avais perdu? Si tu avais perdu, nous n'aurions pas cette conversation. Et toutes les femmes du continent seraient folles de chagrin. Tu as gagné. À partir de là, inutile de tergiverser. Oh, c'était pas gagné quand même. Tu as des nouvelles de la loge? Quelqu'un a accepté de nous aider? Pour tout dire, ça s'annonce plutôt mal. Il ne fait pas bon être magicienne par les temps qui courent. Rares sont celles qui osent mettre le nez dehors. Mais ce n'est ni le lieu ni le moment pour cette discussion. Chris pourra t'en dire plus. Charmant cet endroit. Que fais-tu ici? J'ai découvert où était Margarita. Elle est retenue captive à la prison d'Oxenfurt. Je dois rencontrer un homme qui s'en est évadé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Que sais-tu de cet homme? Je sais qu'il est le seul à s'être échappé de Deirad et qu'il est recherché par tous les gardes de la ville. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? On sera bientôt fixé. Il vient d'arriver. Abbé Faria? Qui êtes-vous? Nous voudrions vous parler. Merde. Ah. Oh, tu ferais mieux de le rattraper. Ouais, t'aurais pas pu l'immobiliser par magie. Hein. Ces humains sont de moins en moins. Hé, hey, regarde où tu vas. Je croyais que tu avais rendez-vous. J'ai dit que je l'avais trouvé, pas que je lui avais parlé. Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi tranquille. Calmez-vous, on veut simplement discuter. C'est ça. Vous me plantez une lame entre les côtes et me jetez dans le caniveau. Regardez-nous attentivement. On ressemble à des brigands, d'après vous? Non, pas vraiment. Contente qu'on soit d'accord. Et puis, votre cadavre ne nous serait d'aucune utilité. Alors, vous ne ferez pas de mal? Non. Racontez-nous votre histoire et nous vous laisserons partir. D'accord. Mais on ferait mieux de retourner chez Kat. C'est pas bien malin de s'attarder dans Cervelle. Buvez, ça vous aidera. Merci. Qu'attendez-vous de moi? Je veux entrer à Deirad. Rien de plus facile. Allez voir un chasseur et dites-lui que vous êtes une magicienne. Ça marche à tous les coups. Nous devons entrer sans nous faire voir. Expliquez-nous comment vous vous êtes évadé et ensuite on vous laissera tranquille.
On raconte que personne n'est jamais sorti de Deiriad vivant. Oui, j'ai entendu ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'en sortir mort? Mais ils brûlent les corps, non? Depuis que j'ai réussi à m'échapper, oui. Mais avant ça, ils se contentaient de les jeter dans une fosse commune. La fosse est connectée aux égouts, qui débouchent sur la rivière. Une fois arrivé là, vous êtes sauvés. Alors vous avez fait le mort, et ils n'y ont vu que du feu. Dans ma jeunesse, j'ai étudié la chimie à Argentin. J'y ai gagné de maigres connaissances en herboristerie. Des champignons somnifères poussaient sur le mur de ma cellule. Et j'ai trouvé de la belladone dans la cour de la prison. J'en ai fait une sorte de curé que j'ai mangé une heure avant la première ronde de nuit. Vous auriez pu mourir. Quitte à mourir, j'aime autant que ce soit de ma propre main. Bah d'accord. Il paraît que Deiriad est mieux gardée que la forteresse de Vicovaro. Les gardes sont d'anciens chasseurs de sorcières. Les plus haineux, les plus fanatiques. Si vous saviez ce qu'ils font subir aux prisonniers. Tous les jours, ils nous torturent. La roue, le chevalet. Le seul moment de répit, c'est pendant les fêtes, quand ils se saoulent comme des ivrognes. Ils sont autorisés à boire pendant le service? Officiellement, non. Mais vous savez comment ça se passe. Donc, en théorie, on pourrait suivre le chemin inverse pour entrer. À condition de supporter l'odeur des corps en décomposition. Et de passer la grille qu'ils ont immédiatement installée après mon évasion. Il nous faudrait des explosifs. Pour que toute la ville nous entende? Non, j'ai un meilleur plan. Oxenfurt est bâti sur des ruines elfiques. Ils doivent être reliés aux égouts, bien sûr. Si on trouve l'entrée des ruines... On pourra entrer dans la prison. Vous voyez, ça s'est bien passé, finalement. Un dernier conseil. Changez de taverne, ici tout le monde vous connaît. Merci. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais... bonne chance. Oui. Adieu. Il a dit à propos des gardes, ça pourrait nous servir. Oui. Si on peut en saouler quelques-uns, ça nous facilitera la tâche. Ça doit être dans les cordes de Zoltan. Retrouve-moi sur le pont d'Oxenfurt. Tu la lampe, Bob. Je te ferai bien un prix pour récompenser ton héroïsme. Mais arrêtez de m'inciter à la consommation de prostitution, voyons. Hey Jaco, c'est toi le plus vieux, alors lui. Merde quoi. Un peu de sérieux. Je suis en service. Est-ce que je peux améliorer mes épées? Vu qu'on est chez Atori, on est devant chez lui. Salutations, Hébert. Bonjour, Gérald. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourriez-vous me forger quelque chose? Ah non, on n'a pas encore la supérieure. Ah, il va falloir que je farme les plans pour la supérieure, alors. Ouais, faudra faire ça. Adieu. Lus ça. Zoltan. Zoltan. Gérald. On joue? Non. Margarita est détenue à Deiriad. J'ai un plan pour la faire sortir, mais j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Charge toute ta réserve d'hydromel de Mahakam sur un chariot
et amène-la à Oxenfurt. Au signal de Yennefer, tu rentreras dans la prison pour offrir une tournée générale aux gardes. C'est pas une très bonne idée. Depuis que les mages ont quitté la ville, les chasseurs mènent la vie dure aux nains humains. Un nain qui rôde autour de la prison, ça risque d'attirer l'attention. Tu as raison. Je n'avais pas pensé. Bon, il n'est plus qu'à retrouver Yennefer, alors. Elle est partie à la recherche d'une entrée dans les ruines situées sous la ville. Ah, salut. Content de t'avoir vu, Zoltan. À la prochaine. Au moins, on aura essayé. Une petite pièce. L'honneur sera au rendez-vous. Génial. C'est vrai que, du coup... Garde du temple, garde du temple, mais ça, c'est un chasseur de sorcières, ça. Putain, ouais. Ah, en sucette. Oh, par contre, c'est tellement loin, attendez. Attendez, on va pas y aller à pied, ça a une borne. Ouais, c'est sympa de s'amuser, mais... Il y a des gens qui trouvent que dans les open world, le fait de pouvoir se téléporter, c'est pas bien. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que des fois, c'est long de marcher. Et qu'avoir une alternative, c'est bien. Un coiffeur. Un coiffeur. Ça fait longtemps, on sait pas coiffer. Il s'appelle Barbier, le barbier. Salutations, maître. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous possédez rasoir et ciseaux? Bien. Rendez-moi présentable. Voilà, et on lâche tout. Adieu. En vrai, ça, j'aurais juste pu le faire tout seul, détacher les cheveux. Longue vie à Radovid. On en a encore trouvé un hier. Détruisons ce côté. Le chasseur de sorcières nous défend un peu. Gérald. Tu as trouvé une entrée? Plusieurs. La plus proche est au fond d'un puits, près d'ici. Et toi, tu as trouvé de l'aide? On devra se débrouiller seul. Bien, tu es prêt? Allons-y. Allons-y. Un puits. J'ai pas vu un puits en arrivant. Tu es sûr que les gardes ignorent l'existence du passage? Ils n'ont pas mis des hommes en faction? Certaines. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les hiérarques de Novigrad ont mis un point d'honneur à éradiquer tout souvenir des origines elfes de la ville. Même si quelqu'un se souvenait de ces ruines, il n'aurait aucun moyen de savoir jusqu'où elles s'étendent. Et je suis certaine que personne n'a songé à placer des sentinelles. J'espère que tu as raison. Et la pave des sentinelles. Hors de ma vue. Par contre, Yen, si tu pouvais courir plus vite... Je sais que t'es en talons et tout, mais déjà, mets pas de talons, ce serait plus simple. Enfin, tu t'habilles comme tu veux, mais... Mais voilà, quoi. Nous y sommes. Ici. Un rocher bloquait l'ouverture du puits jusqu'à récemment. Suite à un décret des Melfart, il y a plusieurs années. Mais j'ai dégoté deux passants relativement musclés qui ont accepté de le déplacer. Moyennant un petit quelque chose, bien sûr. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Utilise-le dès que tu auras trouvé Rita. Ça m'aidera à vous localiser. Téléportation. Tu ne viens pas? Désolée, mais crapahuter dans les ruines et patauger dans les égouts, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Bah, tiens. Je préfère me laisser faire le sale boulot, en somme. Exactement. Formidable, je suis trempé. Comment ça, je suis trempé? Absolument pas.
Alors j'ai pas la tenue la plus sombre. Ça aurait été mieux d'avoir l'école du chat. Je pense qu'au cours de l'aventure, je vous montrerai les autres tenues à améliorer aussi. Un pilleur de tombe. Un amateur de trésors elfiques apparemment. Calmez-vous déjà. Oh, c'était juste pour voir ce qu'il y avait ici. C'est dans le 1 ou dans le 2 où il y avait un truc avec des golems à un moment? Une épreuve, ou c'est dans Silver, je sais plus. Pourtant Silver c'est pas du tout la même identité graphique hein. Une gueulante de ses morts. Je suis arrivé par là. Ah, très bien. Le mécanisme est brisé. Il manque une pièce. Putain de Saras. Je pourrais peut-être la remplacer par autre chose. Est-ce que ça va être un os ? Je t'avais pas vu, toi. La dompteuse est lutte contre les insectoïdes supérieurs. Bah cool. Est-ce que je peux la faire tout de suite? Comme ça on est tranquille après. Hein. Non, il manque plein de choses. Les mutagènes, on s'en fout. C'est de la moitié immaculée, il m'en faut tellement. Faut que j'achète des sablines en masse. Oui, il y a d'autres coffres. Licorne noire, vent du nord supérieur. Faucheuse et décoction de basilic. Voilà qui devrait me servir. Ça devrait être bon. J'avais du scotch de sorceleur. Qu'on a par là-bas. Les coffres. Toujours chercher. Hein. J'ai appris ça dans God of War. Sans déconner. C'est un cadavre plutôt. Ah bah un cadavre avec un coquillage, c'est un bon cadavre. Avec des rats, négociateur et il contre les créatures maudites. Ah, c'est bien. Alors le truc c'est que bon, une fois que t'as les... En vrai les...
Je sais pas trop s'il y a un avantage à faire les épées et tout ça, une fois que t'as déjà les trucs de sorceleur. On n'a pas l'air bien solide. Ah. Ah, ça pue là-dedans. Ah. Ok. Saloperie. En fait, je me dis que il y a pas beaucoup de gens qui doivent passer à côté des schémas de sorceleurs en fait. On va quand même aller voir là. Y a rien. Merde. Ça me paraît assez dingue de pas les trouver. En tout cas, tous pour avoir le set entier. Ou même par hasard, quoi, parce que moi je les avais vus par hasard, hein, la plupart du temps. Et comment dire, c'est carrément moins utile en fait au final de faire autre chose. Même si en termes de stats, c'est pas les meilleurs trucs. C'est décoction de basilic, ouais, c'est ça. Ça augmente un signe au pif, c'est rigolo. Percez-vous! Du coup, c'est quand même. Enfin, j'ai déjà dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait plus les kills en cutscene comme dans le 2. C'était trop bien ça. Ça rendait super bien. Vous savez, quand vous avez un ennemi qui est. Étourdi, en fonction de la touche sur laquelle vous appuyez, bah c'est la fête. La clé des égouts, j'imagine que c'est là, c'est pour ça. Ok, peut-être pour sortir après alors. Tout va bien. J'ai peut-être un peu cramé les sourcils. Margarita. Qui est là? Gérald? Par les dieux, j'hallucine. Je vais vous faire sortir d'ici. C'est inutile. Vous ne pourrez pas l'ouvrir sans la clé. Le geôlier ne s'en sépare jamais. Le poste de garde est à l'étage. Je reviens tout de suite. À l'étage, donc.
Alors, pour ceux qui viennent pas en live, je sais que vous êtes nombreux. Lol. Récemment, on a fait A Plague Tale Innocence, qui est un jeu français édité par Focusum Interactive. Et c'est le studio Asobo, je crois, qui l'a fait. Et franchement, c'est une excellente pioche. Ça vaut vraiment le coup d'y jouer. Tout est bien. Par contre, faut pas avoir peur des rats. Faut aller plus haut encore. Oui, Plague Tale, vraiment très 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 cool. C'est pas ton jour de chance. Merde. C'est un peu trop le Keiko, ça. Les deux en même temps. Voilà. En fait, il suffit de les stun. Hein. Il suffit de Axi et on les tue. Axi, pardon. Gouverneur de la prison. Bonsoir. La méthode quoi? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Tu les Axi et après triangle. C'est un peu abusé, mais ça fonctionne. Y'a rien en dessous, y'a pas un coffre ou... Fringli Lavigo, Yann Natalis, Ezengrim, Fire... Ouais, bon, Ezengrim. Mais au moins j'ai la carte de Fringli là. Je crois que je lui me la fallait pour une quête en plus. Mais bon, vu que je suis toujours bon, je prends.
faites-vous ? Yen a insisté pour venir. Je te jure que si je mets la main sur ces fils de pute, je... Oui, moi aussi. Si je ne suis pas morte avant. Il faut la faire sortir d'ici. Et vite. Le portail n'est pas assez large pour nous trois. Tu vas devoir sortir par toi-même. Bien sûr. Je n'aime pas les portails, de toute façon. Comment ça a fermé ? Ah. Sortir par la grande porte, vraiment ? Non. Là, si. Pourtant, j'avais la clé pour le tunnel. Comme ça, oui. Comme ça, ça fonctionne. On va méditer un peu.